Salut! In today's video, you're going to hear a French jewelry designer talk about her job. Bonjour, my name is Rochelle DeMayo, your native French instructor from Belterre Academy, and I have the pleasure today of interviewing... Hi everyone, I'm Clarisse, I'm a polymercle jewelry designer. Salut, je suis Clarisse, je suis créatrice de bijoux en argile polymère. Clarisse, nous sommes tellement contents que tu sois là et nous faire découvrir ton métier, c'est vraiment toute une joie de t'avoir parmi nous. Alors, qu'est-ce qui t'a tout d'abord intéressée par ce métier ? Eh bien, en fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que je fais des bijoux depuis toujours. Et puis, il y a à peu près une petite vingtaine d'années, j'ai acheté de l'argile polymère pour faire des boîtes. C'était même pas pour faire des bijoux à la base. Et puis, comme je travaillais dans une entreprise où j'étais toujours habillée soit en blanc, soit en noir, j'ai décidé de faire des bijoux précolorés pour mes tenues. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des expositions vraiment par hasard. Et puis, depuis, j'ai décidé d'en faire mon métier depuis maintenant à peu près 15 ans. Voilà. C'est super. Et puis, ce qui me plaît dans ça, c'est que bon, moi, j'adore travailler la matière. Donc, c'est la polymère, c'est une... C'est comme une pâte à modeler, en fait. On travaille avec nos mains, qui se cuit au four environ, je dirais, à 120-130 degrés. Et ensuite, vous avez le ponçage, le polissage et le montage du bijou. Donc, je fais vraiment tout de mes mains de A à Z. En fait, il y a plusieurs techniques qui existent pour travailler l'argile polymère. Il y a la technique du Milfiori. C'est une technique utilisée en Italie pour les perles de Murano. Donc, moi, j'utilise cette même technique. Sauf que moi, bien sûr, je ne travaille pas en soufflant dans du verre, mais je travaille avec du néon et en la cuisant après à faible température. Donc, ce qui me permet de faire des perles pour mes bijoux et des plaques aussi. Vraiment, de la pièce unique. Je travaille qu'en pièce unique et je peux aussi tout imiter avec la polymère. Sauf, évidemment, la pierre fine. Mais je peux imiter les pierres de turquoise, la pierre, l'os, l'ardoise. Je peux tout imiter. Et je peux donc faire un bijou assorti à n'importe quelle tenue et représenter le même motif qu'une tenue pour faire un bijou personnalisé. Voilà. Donc, c'est comme, en fait, c'est comme être potier dans un certain sens parce qu'il faut que tu te serves de tes mains et que ça doit quand même demander beaucoup de travail très méticuleux quand même. Alors, en fait, oui, c'est la technique du modelage. C'est vraiment... Bon, je fais des bijoux en grande partie, mais je fais aussi des tableaux et je fais de la sculpture avec la polymère. On peut vraiment faire ce qu'on veut parce qu'une fois que c'est cuit, poli et verni, ça ne s'altère pas avec le temps. On peut poser du chaud, du froid dessus, ça ne bouge pas. Après plusieurs années, ça ne bouge pas. C'est polymérisé en fait et après, ça ne s'altère plus. Donc, on peut vraiment tout faire. C'est une matière, on peut l'utiliser à l'infini. On peut faire ce qu'on veut avec un pâte polymère. C'est incroyable. Du coup, Clarisse, qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais ? Eh bien, déjà, ce qui me passionne, c'est que je peux faire un bijou de A à Z. Donc ça, c'est génial. Et puis, ensuite, je travaille à mon rythme aussi, dans mon atelier, chez moi, bien au chaud. Et ensuite, je peux vraiment créer un bijou personnalisé pour chaque personne. Donc, bon, après, j'ai ma clientèle, donc je connais un petit peu les gens. Donc, j'aime aussi leur faire quelque chose parce que je les connais bien. Et j'ai souvent carte blanche, donc ça, c'est génial. Et en fait, je ne suis pas vraiment la tendance. C'est-à-dire que moi, je m'inspire de ce que je vois dans la nature. Ou alors, je peux m'inspirer aussi de peinture, d'autres artistes que j'aime. Là, j'ai un bijou, par exemple, je me suis inspirée sur des peintures de Frida Kahlo. En fait, avec la polymère, avec cette technique qu'on appelle le Milfiori, je peux créer des visages que je crée en 3D en fait. Et ensuite, je les passe au four et je les polymérise et je peux les coller sur encore une plaque de polymère. Ce qui permet aussi de faire des choses plates, pas forcément que des perles rondes. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai qu'avec la polymère, comme c'est l'infini, on apprend toujours en fait. Il y a plein de techniques qui existent. Je rajoute aussi des pigments
de la feuille d'or, de la feuille d'argent, de la peinture. Je peux rajouter du maquillage, enfin, des paillettes. Je peux rajouter vraiment tout ce qui me passe par la tête. Et ça, c'est génial. Par contre, ça ne s'altère pas avec la cuisson. C'est-à-dire qu'une fois que mon bijou est fait, une fois que mes perles sont faites et mes plaques, quand je les passe au four, ça n'altère pas la couleur. Elles sont telles quelles quand elles sortiront du four. D'accord. Ça ne bouge plus. Voilà. Okay. On peut aussi rajouter des pigments une fois que la polymère est cuite. C'est-à-dire qu'au niveau des vernis, on peut utiliser des vernis craquelés ou des vernis satinés, des vernis avec des paillettes. Vraiment tout ce qui me passe par la tête. D'accord, c'est super. Et quel est un petit peu peut-être un défi ou un challenge dans ce métier? Le challenge, c'est toujours pouvoir se surpasser, c'est-à-dire apprendre d'autres techniques, parce qu'il y a pas mal de polyméristes qui existent depuis longtemps, qui font des choses vraiment superbes. Moi, quelquefois, quand je vois leur travail, je ne comprends pas tout. Je me dis, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et chacune a son univers. C'est-à-dire que ce qui est bien dans la polymère, c'est qu'on ne peut pas être copié. Parce que quand je prépare, on appelle ça du CAM, quand je prépare du CAM pour pouvoir faire un bijou en mélangeant mes couleurs, quelqu'un ne peut pas refaire la même chose. Il faudrait vraiment qu'on ait un clone dans la nature qui fasse la même chose, mais on ne peut pas copier une polymériste. On pourrait s'inspirer de son univers, mais on ne peut pas la copier. Puisqu'on travaille avec nos mains, on fait notre propre mélange de couleurs, avec nos proportions, on ne peut pas être copié. Donc, moi, c'est vrai que je vois le travail d'autres polyméristes, on travaille tout différemment. Et ce qui est génial, ouais, c'est qu'il n'y a pas de copie. Puisque chaque perle est unique, chaque bijou est unique. Et je ne fais jamais deux fois le même bijou, et d'ailleurs, ça ne serait même pas possible. C'est-à-dire que quand je conçois un collier, si je ne fais pas la paire de boucles d'oreilles assorties, dans 3 mois, je ne peux pas retrouver les mêmes couleurs. Ce n'est pas possible. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que je prépare une quantité de pâtes polymères pour pouvoir faire en général un collier, un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, une broche éventuellement. Mais je ne pourrais pas la refaire dans 3 mois. Puisque moi, je note pas les proportions de mes couleurs. Je fais vraiment... c'est instinctif en fait. C'est vraiment comme j'ai envie d'avoir ce bijou à tel moment. C'est-à-dire que l'hiver, je vise plus de la feuille d'or, de la polymère un peu noire, des choses comme ça pour aller avec les vêtements. L'été, je suis vraiment dans la couleur. Là, en ce moment, je travaille énormément sur les fleurs. Donc, d'accord. C'est le printemps, donc les fleurs. Ah, c'est génial. Alors, du coup, est-ce qu'il y aurait une petite astuce pour bien choisir un bijou ou quelque chose que toi, enfin, par exemple, quand tu fais des bijoux, comment est-ce que tu aides les gens un petit peu à choisir quelque chose qui serait peut-être bien pour eux, qui représenterait leur style? Moi, j'ai une formation de coiffeuse à la base. Donc, je suis styliste visagiste. Donc, c'est vrai que par rapport au visage, à la couleur de la peau, à la couleur des cheveux, à la couleur des yeux, parce qu'en fait, en visagisme, il y a 4 catégories de femmes. Et c'est comme ça, on n'y changera rien. C'est par rapport à notre carnation de peau. Donc, effectivement, choisir le bijou par rapport à la carnation de la peau de la personne et par rapport au visage. Visage carré, visage rond, visage ovale. Pour la longueur des oreilles, par exemple, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai qu'une personne qui a un visage rond, j'aurais tendance à lui dire de mettre des boucles d'oreilles plus longues. Une femme pas trop grande non plus, ça permet d'allonger la silhouette, aussi d'avoir des boucles d'oreilles en longueur. Une personne qui a un visage plutôt rond, elle va plutôt éviter les créoles pour que ça arrondisse encore plus son visage, puisqu'en fait en visagisme, ce qu'il faut, c'est rendre le visage le plus ovale possible. Donc peu importe la forme de notre visage en fait, peu importe si on a un visage carré ou rond, ce qu'il faut, c'est rendre le visage le plus ovale possible. Donc, c'est vrai que sur des visages éventuellement un peu ronds, j'ai tendance à plutôt conseiller des boucles d'oreilles assez longues. Après, il y a la longueur du cou qui compte. Moi, j'ai un très grand cou, donc je peux me permettre de porter des boucles d'oreilles très longues. Mais quelqu'un qui n'a pas un très grand cou, effectivement, si les boucles d'oreilles arrivent sur les épaules, ce n'est pas joli, ça passe sa silhouette. Donc, il faut vraiment, je pense, allonger pour avoir un port de tête le plus sympa possible. Donc, pour une paire de boucles d'oreilles, c'est comme ça. Et pour un collier, c'est pareil, adapter la longueur. Moi, j'ai tendance à porter des rabis-coups parce que j'ai un grand cou et je ne suis pas très grande.
Et des femmes qui sont grandes, je vais plutôt conseiller des sautoirs pour les allonger encore plus. Ça dépend vraiment de la morphologie des gens, en fait, les bijoux. Et puis aussi, à la lourdeur des boucles d'oreilles. Donc, il faut faire attention à la lourdeur des boucles d'oreilles. Il ne faut pas que ça détende les oreilles. Donc, moi, j'utilise des apprêts qui sont en acier inoxydable, anallergique. Bon, moi, j'ai mes fournisseurs en France, puisque maintenant, il y a des normes au niveau des bijoux. On ne peut pas utiliser n'importe quoi au niveau des apprêts bijoux pour les crochets d'oreilles et autres, pour les fermoirs. Donc, moi, je me fournis en France. Et maintenant, la plupart des apprêts sont en acier inoxydable. Donc, il n'y a aucun souci d'allergie. Et ça ne s'altérera pas avec le temps non plus. C'est vraiment un art. Je trouve que c'est fascinant. C'est vraiment tout un art. C'est assez passionnant, oui, quand même. J'adore. Hey guys, if you're getting value out of this video, make sure you give it a thumbs up. I'm curious, what part or what question would you ask Clarisse? In the comments below, put any question in French that you would ask her. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Ces coordonnées figurent dans la vidéo, dans la description, ci-dessous.